saluer la famille Flore Denise en route pour le Cameroun. Elle part accompagner mamie A. Oui, vu que mamie A est arrivée en Europe pour se soigner, grâce à Dieu, sa santé s'est améliorée. Malgré que les haineux ont taclé mamie A sur les réseaux sociaux, mais on dit toujours si que ta fille est une star, ta mère aussi devient aussi une star sans le vouloir sur les réseaux sociaux. Mamie A s'est retrouvée sur les réseaux sociaux sans le vouloir. Grâce à sa fille, pourquoi? Parce que sa fille est une star, elle est incontournable sur la toile. Et quand c'est comme ça, quand les détracteurs décident peut-être de contre-attaquer sa fille, ils sont obligés aussi de passer par sa mère. Et en même temps, direction la Côte d'Ivoire, donc dès qu'elle va accompagner mamie à Cameroun, direction la CAN en Côte d'Ivoire. En tout cas, ce qui est sûr, Flore Denise sera à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, restez scotchés pour ne rien rater. Oui, c'est vrai, c'est, les Camerounais sont comme ça. Dès qu'ils sont avec les filles d'ailleurs, il faut les voir jouer le respect de ça. Quand ils sont avec les filles d'ailleurs, ils sont fidèles. Hein? Mais quand c'est leur soeur, c'est pour ça que je vous ai dit que je m'en vais retrouver mon gars sénégalais là-bas. Soit je prends aussi un gars ivoirien, c'est tout. Comme ça, c'est kiff-kiff. Il n'est jamais sorti avec un Camerounais, une Camerounaise. Je veux un gars vierge. Parce qu'un gars Camerounais qui a sorti avec une Ivoirienne, moi je ne veux pas. Ça, c'est blessé de guerre, trop max. Mais celui qui n'est jamais sorti avec une Camerounaise. Le genre de gars ivoirien, il va parler l'ondolé. Il connaît là tous les nourritures du Cameroun là, non? L'ondolé, j'aime le poisson braisé, mais je comme ça. Pardon, ça c'est un ivoirien frélaté, blessé de guerre. Il a sorti avec une Camerounaise fatiguée. Donc tu reviens? Non, il n'y a pas de problème, mais moi je vais venir. Ah bon? À la finale? Le 9 février. Alors, donc c'est mieux la finale alors. Hein? T'es sûr, hein? D'accord. Non, je. Ok, à la finale alors. J'ai même pas d'abord le temps, je suis très occupée, j'ai beaucoup. Mamie, elle est là, je l'amène au Cameroun. Je l'amène. Il faut que je fasse une personne là-bas. Non, j'ai pas encore trouvé, mais il fallait qu'on trouve avant d'arriver. C'est pas étant sur place, on va faire un recrutement. Voilà. Parce que connaissant, ça va toujours faire comme si c'était gratuit. Tu sais, les gens en Afrique aiment toujours penser qu'on les a utilisés, tu vois. Parce que connaissance là, ça va faire comme si, ouais, la personne travaille, tu payes, mais c'est comme si. Ah oui, je vais voir. J'ai de mes grandes soeurs. À la finale, parti au Cameroun, comment on dit là, peut-être à la finale, il y a trouvé une solution d'abord pour mamie, parce que là maintenant je veux bien, je pouvais partir, mais là, il n'y a personne pour garder mamie en ce moment, la personne qui garde mamie n'est pas disponible en ce moment, c'est que moi je fais mes trucs avec les Ivoiriennes, le truc qui garde mamie est indisponible, donc du coup pour le mois de janvier, c'est moi qui la garde, en finale c'est mieux, parce que tout ce que j'entends là, c'est mieux d'aller en finale. Moi j'aurai le temps, j'ai personne pour garder mamie là. Tu ne serais parti même. Donc, c'est moi qui la garde. Il faut acheter le billet de mamie, non? C'est comment, non? Je veux le PayPal aujourd'hui, non? On va acheter le billet de mamie. Ah, vous allez acheter le billet, non, de votre mère, c'est vous qui allez payer. Le garde malade et tout, vous voyez comment? Non, c'est votre mamie, ça fait quand même 5 ans qu'elle est partie du Cameroun. Non, ça fait 4 ans. Elle est venue en 2000. Mamie est venue en 2018, hein. En janvier 2018. Janvier 2018, ah maintenant, ça fait combien de temps? Elle est arrivée en janvier 2018. Pardon, c'est pour qu'elle paye le billet de mamie. Je lance le PayPal ce soir. Pardon, vous payez le billet de mamie. Ah, pardon. Il faut qu'elle fasse tous les 3 mois. Elle reste au Cameroun. Oui, elle est venue en janvier 2018. Ça fait 5 ans, hein. Waouh. Moi, en fait, je vais la déposer parce que déjà, elle cicatrise bien. Et elle cicatrise bien son pied. Et je pourrais beaucoup travailler cette année. Donc du coup, comme je vais faire la promotion 2024, elle est venue en janvier 2008. Elle est venue avant le Covid, là. Pendant le Covid, non, c'était en 2018. Je ne sais pas, je vais regarder son visa. Non, son passeport même est expiré. Vous voyez que le passeport, c'est 5 ans, c'est même expiré. C'est pour ça que je vais même à l'ambassade, là. Je vais voir si on lui fait le laisser passer. Ou bien je lui fais un passeport ici. Le laisser passer au Cameroun, je vais lui faire un passeport. C'est mieux, non? Je pense que c'est mieux de lui faire le laisser passer, hein. Parce que apparemment, au Cameroun, le passeport, c'est 2 jours. Ça va aller vite. Je vais aller à l'ambassade voir ce qui est bien pour elle. Moi j'ai un visa déjà. Moi j'avais pris le visa de 6 mois la dernière fois au Cameroun. Donc du coup je sais pas. Donc on veut voir. Donc mamie elle est résidente ici. Elle a la carte de résident en France. Donc elle peut venir en France quand elle veut. Et je voudrais qu'elle vive là-bas. Tous les 3 mois je vais la chercher là-bas. Utilisez la deuxième voie à partir de la gauche pour prendre la sortie. Ça permet parce que les médecins aussi ne peuvent pas rester longtemps sans la voir. Hein. Problème. Bon, je pense que c'est mieux pour elle, c'est mieux, hein. Moi j'ai pensé, si elle n'était pas allée au Cameroun depuis, c'est tout simplement sa santé ne lui permettait pas. Aujourd'hui, je pense que
Elle peut aller, elle reste 3 mois là-bas. Après, je vais la chercher, ça ne me coûte rien d'aller tous les 3 mois quand même. Quand elle fasse ses consultations et tout, là, j'ai appris tous ses médicaments pour 3 mois. Maintenant, il faut qu'on se la suive bien parce que c'est un souci. Puis je veux un billet aller-retour. Ah, aller simple, non, un billet aller-retour, mais le retour dans 3 mois. Parce qu'il faut qu'elle reste 3 mois, bien, c'est 3 mois. En fait, je voulais qu'elle reste 3 mois en Cameroun. Cette année, je veux qu'elle reste 3 mois, elle vient ici, elle fait 1 mois, elle repart, elle fait 3 mois, ainsi de suite. Comme ça, ça me laisse le temps. Vous savez, je suis seule, c'est pas évident pour moi. Parfois, elle me demande comment j'ai fait pour arriver, garder une personne âgée ici. Le départ, pour quand tu me parles, ça, c'est en privé. Je ne peux pas dire ça au là, chérie. Tu m'écris sur WhatsApp. Je ne peux pas te dire là tout de suite, comme ça, en ligne, même si c'est ce que je vous parle. Mais je ne vais pas vous dire quelque part, tel jour, elle revient, tel jour, c'est pas. Ça, c'est privé. Très récemment, la voix, je faisais la bonhomberie. Mais je veux qu'elle parte là. Je veux l'amener là. Comme ça, je vais quitter de là pour aller en Côte d'Ivoire à la finale. Disons. Vous savez, je ne veux pas que le jour où j'arrive avec quelqu'un du monde à la maison, non. Je ne veux pas qu'elle ait ce choc. Qu'elle arrive, les gens commencent à la bousculer. Vous savez, les gens au Cameroun. Parfois, en Afrique, il y a des personnes, quand ils vous voient, ils viennent sauter sur vous. Je vais lui laisser la fraîcheur. Il va falloir toujours qu'il y ait la clim. On va trouver une solution, ce qui est sûr. Donc, je vais partir du Cameroun alors pour aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut que j'arrive au Cameroun, je reste un peu. Le temps de montrer un peu. Il faut déjà que je trouve la personne qui va travailler là-bas. Donc, il n'y a pas de société d'intérim au Cameroun. Où tu peux chercher une femme de ménage, où tu peux chercher. Non, il n'y a pas ça. Non. Quelqu'un même, quelqu'un à l'ouest alors. Il faut trouver quelqu'un. Tout ça va me faire parler encore avec mon grand frère. Oh, vraiment. C'est-à-dire, les gens que tu n'as même pas envie de leur parler, mais il y a des choses qui t'obligent que tu vas seulement parler avec eux. Moi, je ne voulais plus parler avec un. Hein. Franchement. Là, maintenant, j'ai le choix. C'est quoi, j'attends beaucoup là-bas. À Douala, ok. Il faut qu'elle reste un peu à Douala d'abord, même une semaine, pour avoir les repères, tu vois. Et maintenant, il faut qu'on prenne quelqu'un à Douala qui va aller rester à l'ouest. Qui va aller habiter à l'ouest. Si elle va rester à l'ouest, il faut que la personne aille rester à l'ouest. À la maison avec elle. Pour s'occuper d'elle. La personne doit partir de Douala. Comme ça, elle reste avec elle. Si elle est infirmière et qu'elle reste avec mamie, je lui montre comment elle s'occupe d'elle. Elle fait son repas et tout. Je peux lui payer 150 000 au mois. C'est pas parce qu'elle n'est pas infirmière. Elle est infirmière, mais c'est juste que moi, j'ai besoin juste qu'on fasse son pilulier. J'ai besoin que... Qu'elle soit là, tu sais, les personnes âgées ont besoin qu'on les parle comme des gens, qu'on les... Je veux quelqu'un qui est humain, quoi, quelqu'un qui a l'amour pour son parent, qui a l'amour d'un parent, quelqu'un qui est maternel, tu vois, quelqu'un que le matin, comme ça, qui va venir dire, maman, tu as bien dormi, bonjour, tu vois. Je veux quelqu'un qui est humain, quelqu'un qui est maternel, c'est important, hein? C'est très important. Quelqu'un, quand il se lève le matin, il te dit bonjour, bonjour, maman, est-ce que tu as bien dormi et tout. Personne vérifie un peu ce qu'elle mange. Parce qu'il ne faut pas qu'on aille là-bas commencer à lui donner les cils et ça. Elle a droit à tout, mais en petite quantité, tu vois. Il faut vraiment quelqu'un qui est maternel. Quelqu'un qui a de l'amour pour les gens, tu vois. Ma mère, c'est une personne qui est très maniaque. Elle ne fait pas dans la culotte. Hein. Elle s'allait aux toilettes. C'est pas comme si. C'est quand elle est hospitalisée qu'on l'avait opérée qu'elle ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, elle est très maniaque. Elle s'allait aux toilettes. Voilà quoi. C'est pas le genre qu'elle est couchée, tu la nourris. Non. C'est juste qu'il faut lui parler les choses du village. Les trucs, tu vois, quand il y a une petite cérémonie au village, l'habiller aussi, aller s'asseoir là-bas avec elle. Je vais lui ramener une chaise pliante, tu vois. Je vais ramener une chaise pour elle. Tu vois, une chaise qui se plie là, tu vois. Quand on va quelque part, elle a sa chaise, elle assise là. Je veux quelqu'un qui est maternel, quelqu'un qui est amour, quelqu'un qui a l'amour pour les gens. Voilà. Pas quelqu'un, et puis quelqu'un qui n'est pas bavard. Parce que tu sais, quand tu as quelqu'un comme ça qui accompagne, qui entre dans ta famille, c'est une personne qui va écouter tous les problèmes de famille. On est d'accord? Parce que des fois qu'on va dire un truc à la maman, elle ne comprend pas. La mère va lui demander à elle que qu'est-ce qu'on a dit là. Je ne veux pas forcément quelqu'un qui est banilicain, hein. Attention. Qui sait qu'elle ne reste pas sur un drap. Il faut changer ses draps tous les deux jours. Je vais ramener les draps pour elle. Voilà, il faut qu'elle soit bien. Il ne faut pas qu'elle se sente... faut pas qu'elle pense que je l'ai abandonnée. Hein. Je ne veux même pas qu'elle sente le manque là. Donc moi, je suis prêt à donner 150 000 pour le mois. Mais rien voler, rien. J'ai les perruques, je jette l'argent comme ça. Tu sais que moi, je suis un peu, je jette souvent un peu les choses, je ne contrôle pas. Elle dit que même quand je laisse l'argent de la ration, elle me dit, maman, voilà le reste d'argent. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne m'a jamais rien pris. Vous vous rendez compte? Elle ne m'a jamais rien pris. Elle ne m'a jamais rien pris. Vous vous rendez compte? Voilà l'argent qui est posé, elle ne touche pas. Elle ne m'a jamais rien pris, elle n'a jamais vu ça. Parfois, elle laisse même les trucs exprès. Mais elle ne m'a jamais rien pris. Je te dis, c'est pour m'avoir une fille anglophone même. Les anglophones sont très bien. Mais moi, mon problème, c'est que j'aimerais pas avoir quelqu'un. Il faut quelqu'un qui cuisine aussi bien, qui respecte les faits de ne pas couper avec trop d'huile, qui ne met pas beaucoup de sel dans la nourriture. Tu vois, quelqu'un qui respecte. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui ne met pas, qui ne cuisine pas, il met le piment. Parce que vous avez l'habitude en Afrique de mettre trop le piment dans la nourriture. Il faut quelqu'un qui ne met pas le piment, qui respecte. Hein.
Donc, j'étais en train de dire que moi, je suis fidèle avec des personnes qui travaillent avec moi. J'aime pas trop changer parce que je suis aussi quelqu'un, j'aime pas trop ouvrir mes portes comme ça, vous voyez. Donc, même si c'est quelqu'un qui est là, le temps que mamie est en France, la personne, je vais toujours payer. Je vais pas peut-être payer le même montant, mais au lieu de payer peut-être 150 000, si mamie n'est pas là, je vais payer peut-être 100 000 ou bien la moitié. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et pour que la personne ait toujours aussi quelque chose, je sais pas, parce que mamie ne sera pas là, que bon, je vais déjà, on va déjà voir pour 3 mois. On verra si la personne travaille bien, si la personne respecte, si son taux de, ne monte pas, quoi. Parce que voilà, quoi. Faut pas seulement aller payer les gens comme ça. C'est pas parce qu'on est infirmier. Tu sais, le blanc ici, infirmier, respecte. Comme là, j'étais pas là, l'infirmière. Elle appelle, elle demande, voilà, je suis l'infirmier. Quand je connais pas faire un truc, quand on n'est pas là, l'infirmière, elle dit, hein, elle dit, ouais, pour faire sa plaie, il faut laver juste au savon et à l'eau. Vous ne mettez rien du tout. Tu vois un peu comment le blanc, on m'explique au téléphone, s'il y a un souci, envoyez-nous une photo. Je vais garder. Vous voyez un peu, on me dit seulement s'il y a un souci, envoyez une photo, madame. Voilà. Ici, le blanc, c'est que. C'est ça respecte, quoi. Mais les Africains, là. Les Africains, là. Non, la personne qui m'a donné l'idée de l'amener à Chang, là, c'est bien. Franchement, elle va voir sa mère. Elle va voir sa maman. Prendre à droite sur boulevard de Strasbourg, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Ok. Destination sur la gauche. Est-ce que les gens ouvrent même le château d'eau aussi? Bon, je fais vite faire les ongles et puis je vais à l'ambassade. Les Ivoiriens, ils sont beaucoup. Ils sont pas là, la canne. Bon, les Ivoiriens, hein. Ils sont là. Voilà, les Ivoiriens à la canne en Afrique. Là, voici ici à Château Rouge. Hein, ça va, madame? Bien, vous n'êtes pas là en Afrique pour supporter la Côte d'Ivoire? On parle. Vous partez quand? Il faut aller supporter la Côte d'Ivoire. On va attendre le demi-finale. On vous attend quand? Oui, non, on arrive. Vous allez vite rentrer. Hein. Ah bon? Je connais le visage. Oui, tu connais? Flore de Lille. Flore de Lille. Ah, je vais là-bas en face chez Solange. Je sais pas si elle. Je vais faire juste les ongles. D'accord. On est ensemble, oh. Les Ivoiriens, ils sont là, hein, en train de chercher les clients. Allez soutenir la Côte d'Ivoire. Madame, allez-y. Allez. Votre destination se trouve sur la gauche. Je sais. La destination se trouve sur la gauche. Je n'ai pas dit non. J'ai dit, hein. Les gens, je vais me mettre ici, non. Et on va enlever la voiture. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas la place. Les Ivoiriens, oh, les Ivoiriens ne sont pas là. La canne, voilà, en train de taquer. La famille, vous avez écouté comme moi, Flore de Lille. Et en même temps, elle recherche aussi une personne de bonne moralité. Oui, qui pourra, ne serait-ce que, s'occuper de sa maman étant au Cameroun. Pourquoi? Parce que pour s'occuper de sa maman, il ne faudrait pas qu'on cherche une personne de bavard. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, vu que sa fille est déjà star, donc il ne faudrait pas que quelqu'un qui veut peut-être aussi à tout prix la star mania va vouloir que non, j'ai fait semblant peut-être d'aller peut-être prendre soin de la mère de Flore de Lille pour qu'après peut-être 2, 3, 4 mois, 5 mois, pour venir investir sur les réseaux sociaux. Non, elle cherche une personne discrète, une personne qui n'est pas trop bavard. Moi, le programme de Flore de Lille, vu que son programme est surchargé, donc elle-même l'a dit, ce qui est sur sa présence. Oui, ceux qui l'ont demandé, oui, Flore de Lille sera bel et bien en Côte d'Ivoire, mais c'est d'abord sa mère qui est d'abord la priorité. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.